Die kommen auch in die Sellen, kein Bindung. Alors voilà, ben on rentre d'un voyage de 17 jours avec Mine, notre guide. Et puis on est enchanté de ce qu'on a vécu, en fait, parce qu'on a eu un programme très varié avec pas mal de marches au début. Logement chez l'habitant, et puis ensuite on est allé vers Hanoï, ensuite Ninh, et puis sur la baie d'Along. Et puis on a vécu en famille, on était 5, un de 3 enfants et des parents. On a vécu des moments absolument fabuleux. Et puis on est aussi enchanté de cette agence et notamment de notre guide qui a su être à l'écoute de nos besoins, de nos demandes. Comme il y a eu un typhon sur la baie d'Along, on a dû déplacer des choses, va changer un peu le programme, etc. Et puis c'est vrai que la réactivité du guide par rapport à, et de l'agence par rapport à cette situation, c'était pas forcément évident à gérer. Et puis on s'est vraiment senti bien encadré et on est enchanté de ce qu'on a vécu là. Alors je ne sais pas si Raphaël, tu veux ajouter quelque chose. Tout ce qu'on a fait correspondait à ce à quoi on s'attendait. Donc il y a eu à la fois l'aspect marche, un peu sportif, mais avec des paysages sauvages et complètement en dehors. On n'a pas croisé un seul touriste pendant ces plusieurs jours de marche, complètement en immersion comme ça dans la campagne. Et puis après l'accueil aussi dans les familles, des paysans chez qui on a logé, qui étaient à la fois très simples et très naturels et vraiment, vraiment sympa. Enfin, on ne s'est pas du tout senti, on n'a pas eu du tout l'impression de faire partie de quelque chose d'extrêmement touristique. On a vraiment eu l'impression d'arriver dans une famille et puis de voir un peu comment ils vivaient le temps d'une soirée, d'une nuit, et puis ensuite de partir comme ça de famille en famille, ça c'était vraiment exceptionnel. Et puis bien sûr la baie d'Along, alors ça on a finalement terminé par ça. On a fait une prolongation d'une nuit supplémentaire sur la baie d'Along, ça valait vraiment le coup parce que comme ça on a pu rester plus longtemps sur le bateau et c'était vraiment... Il y a un aspect des choses qu'on a découvert à travers ce voyage, c'est au fond dans la mesure où tous les transferts, la gestion, l'organisation, etc., comme c'est pris en charge, en fait c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là des choses étant absent du voyage, quelque part au moment où on le vit, c'est vrai qu'on est pleinement dans ce qu'on est en train de découvrir. Ça c'est vrai que pour nous c'était nouveau, c'était la première fois. C'est vrai que ça, c'est très appréciable. Ouais, c'était aussi très reposant, en fait, à ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Ça glisse ou pas? Ça va. Tiens, c'est l'appareil. Après, il l'avait pas dans un sac. Attends.
vacances, vas-y. Allez, pense. Et il te nargue. Allez, con, vas-y. Oh là là. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. J'ai fait donc ce voyage au Vietnam avec mon mari Jean-Marc. C'était pour nous la découverte du Vietnam. Nous avons découvert le Nord Vietnam. C'est quelque chose de magnifique, splendide. Que dire ? On a été éblouis par la beauté de la nature, la découverte des ethnies, tous ces paysages colorés, ces personnages colorés. Même s'il y a eu de la fatigue, parce que ça a été quand même assez physique par moment, enfin pour moi du moins, mais je n'en retiens que ça, que cette beauté, ce plaisir des yeux. Et pour l'instant, sur la première semaine de notre séjour au Vietnam, je dis chapeau, parce qu'il n'y a pas eu de fausse note, tout s'est bien passé, on a eu un guide super, compréhensif. Non, franchement, je ne souhaite que plein de choses pour les personnes qui vont pouvoir venir découvrir le Vietnam comme nous on l'a découvert en ce moment. Bonjour, donc moi je suis Jean-Marc. Alors c'est un peu difficile de parler après mon épouse, puisqu'elle a décrit parfaitement la semaine que nous avons passée au Nord-Vietnam. C'est le dépaysement complet. Les gens sont d'une simplicité, d'une gentillesse remarquable. Il y a dans la mémoire des photos que je n'oublierai jamais, parce que c'est le plaisir des yeux. On a l'impression d'être dans un océan avec toutes ces couleurs du riz qui change, les verts, toute une palette de verts, de jaunes, etc., etc. Et puis après, le fait de ne pas avoir trop rencontré de touristes, qu'est-ce que c'est reposant également. Et Ming, un grand merci, parce que vraiment... c'est un passionné et il nous a fait partager cet amour du Nord-Vietnam.